Non, on va avoir mal aux oreilles. Bah tiens, on va en profiter. Je voulais faire quelque chose pendant l'aurore boréale. Enfin, c'est pas vraiment pendant l'aurore boréale. Mais on va aller se balader. On va aller se balader. On va prendre de la nourriture. On va se balader. On va prendre ça. Très bien. On va aller... Attendez, là-bas. J'ai envie d'aller voir ce qu'il y a sur cette tour. Parce qu'elle m'intrigue. Donc on va aller voir ça. Ça fait un petit moment que je vais faire ça. Et j'avais dans l'idée de d'aller à Muskegmorn aussi. Muskegmorn est un peu loin. On va un peu accélérer le pas s'il fait froid. Et en fait, en gros, en fait, je voudrais déjà peut-être attaquer le l'élan, aller le chasser. Mais le problème, c'est que on n'a pas vraiment les vêtements pour. Il est où sur la gauche? On va passer par là. On n'a pas vraiment les vêtements pour. Et comme j'avais expliqué déjà, Muskegmorn, c'est très très exposé. Et il faudrait pouvoir rester assez longtemps à l'extérieur sans geler. C'est un peu comme l'ours, ça va durer un petit moment. Enfin, si on a des... Ah, il y a un loup. Si on a de la chance avec les tirs... Attends, viens pas vers moi, saloperie. Mais merde. Ouais, il vient vers nous. C'est du lapin, ok. Avance, avance! Avance! Elle s'était abaissée. C'est un peu moi qui ai appuyé sur la touche aussi. Ok, donc je crois que la tour elle est là. On va voir si on peut pas monter. Parce que là. Là c'est où c'est qu'il y avait le cadavre du loup, ça je m'en rappelle. Et après ça tombait, vous rappelez, ça faisait une sorte de précipice. Donc on va essayer de tourner vers la gauche cette fois. C'est bon, personne nous suit? Ok. On va essayer de passer par la gauche. Je sais pas si c'est un chemin ça, mais... Je sais pas, on va voir. On va voir. Vous savez, à des moments, hein, on essaye, on teste. Parce que je sais vraiment pas du tout comment on y va là-haut. Je pense que j'y suis allé, mais... Enfin, pas cette saison, mais j'y suis allé avant. Ça a l'air d'être bon, là. Est-ce qu'il y a une corde ou un truc à récupérer? Oui, là, c'est là, ouais. La tour, non? Ah, il y a des constructions. Oh, il y a un machin. Attends. Oh, yes, chemin. Avance, monte. Oh, la connasse. Yes, on a trouvé le chemin. Ok, donc c'est de l'autre côté, en fait. D'accord. C'est du côté de la forêt, en fait. Des arbres coupés et tout ça. Cool. Donc oui, pour en revenir à ce que je disais. Ouh. Cool. Oh. Ça va être utile, le livre. Cool. Un mec. Il n'y a rien. Je vais voir s'il n'y a pas de... d'ordinateur peut-être, ou quelque chose. Non, il y a juste une lampe. Non, il y a l'air de rien à voir.
ça. Ah, on peut fouiller ça, cool. Ouh! Oh, il y a une boîte. On a trouvé une corde! Sympa. Est-ce qu'on peut monter? Oh, mais il n'y a rien en haut. Non, c'est détruit, il n'y a rien. On va prendre ça. Par contre, je crois qu'il va falloir qu'on se réchauffe. Ok, là on peut accrocher la corde. On va pas le faire. Qu'est-ce qu'il y a de ce côté? Oh! Yes, il y a la peau. Attendez, est-ce qu'on a... 13? Ok, 13 ça vaut le coup. 13, ouais, 13 on le fait. Ok, ça marche, let's go. Évidemment, le vent a l'air de se lever. Mais on est protégé du vent pour le moment, donc... Ok, on va faire du feu, on va récupérer la peau et on va rentrer chez nous. Le problème c'est que je voudrais un peu plus explorer en fait de ce côté, mais on a la corde et la corde c'est 5 kilos. Donc on va avoir un problème de poids. Donc autant rentrer. Ok, ça c'est fait. Est-ce qu'on a besoin de mettre le... mettre ça. Ah oui, il faut que manger. On va manger ça. Voilà, c'est très bien. Moins 3 degrés. Ok, 3 de plus. Yes, ok, c'est bon. On est ok, on est positif. Enfin, on va peut-être... Attendez. Ça. Parce que j'ai pas envie d'utiliser le... le bois qu'on a sur nous. Enfin, pas trop, parce que là, on est juste... juste là pour récupérer la peau et basta, honnêtement. Plus 17... Ok, on est à 1 degré, très bien. Ah, il faut qu'on attende que ça dégèle à 75%. Ah, on a le fait tout. Cool. Cool, cool, cool. On va attendre. Voilà, très bien. On va d'abord récupérer ça. On peut le faire à la main. Très bien. Cuir. Voilà, 46-40-40. Très bien. On va récupérer la peau à la main. Voilà, ça, c'est parfait. Et il va faire jour. Ok, très bien. 13 et 13. Enfin, 13 minutes maximum. Ok, ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. On va dessiner. Voir où on est exactement. Ok, donc tour de transmission haute fréquence. Et là, il y a un cadavre de loup apparemment. Ok. Donc nous, on a fait quoi en fait? On a vu la tour de là. On a tracé comme ça, en fait. Je crois. Ouais, on va reprendre le même chemin. On va faire de l'eau. Une heure. On va lire. On va lire une heure du... Qu'est-ce qu'on fait? Non, on avait dit qu'on restait sur le feu, hein, sur l'allume de feu. Parce que on l'augmente pas vraiment. Enfin, on le force pas vraiment. Alors que l'arc, on tire un peu sur tout ce qui bouge. Donc l'arc va augmenter très vite. Oui, on va faire le feu. You
Ah, très bien. Eau potable dans 7 minutes. Du coup, il faudrait partir par où? Là, c'est la zone déboisée, donc du coup, niveau carte, je crois que c'est là. Donc, il faut regarder la tour et il faut partir. Donc, ça devrait être là-bas. Ok, on a 40 minutes encore. On va encore faire une heure. On risque de perdre l'eau par contre, c'est peut-être une connerie ce que je vais me faire. Non, c'est bon. On a pas mal d'eau. Oui, là on est en surpoids, on doit être à 35 kg, je crois, un truc comme ça, non? Ouais, on est à 35. À cause de la corde. Donc on va pas l'utiliser. Alors on m'avait dit que on avait besoin de cordes pour aller à la nouvelle zone. Enfin si on voulait accéder à toutes les parties, je crois, un truc comme ça. Donc on va garder la corde. On va garder la corde. Et je crois qu'on avait une corde près de... On va partir. On peut la poser. Oui, c'est là-bas qu'il faudra aller. On avait une corde à l'autoroute, non? Je crois. On va passer par là. Mais j'ai pas vraiment envie de... Ouais, non, là, ça tourne, en fait. Ça repart là-bas. Non, moi, je veux passer par là. C'est peut-être pas le meilleur moyen... Enfin, c'est pas le plus safe, mais... C'est le côté où je veux aller, donc bon. Voilà. Voilà, très bien. Oui, voilà, 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 on rentre à la maison. Là. Très bien. Voilà, parfait. Oui, voilà, parce que moi je veux rentrer à la maison là avec la corde, c'est trop là. Bon, je suis content, on a fait. On est allé voir cette tour parce que ça fait au moins 3 ou 4 fois à chaque fois qu'on passe devant parce qu'on la voit en aurore boréale. Et à chaque fois on n'y va jamais parce qu'on a toujours quelque chose à faire. Donc là j'avoue être heureux. J'avoue être heureux. On va avoir froid, la torche va s'éteindre. On va passer par là parce qu'on avait le... À moins qu'elle veuille pas... Oui, si, ça va. On avait le loup. Je veux voir où il est maintenant. Ok, serre à gauche. Apparemment, il n'y a que le serre. Le fait de tomber aussi... Si vous tombez de trop, bon, déjà, vous faites mal et tout ça. Mais c'est pas le pire. Le pire, ça serait de... Vous pouvez, en fait, vous déchirer les vêtements. Donc c'est pour ça que j'évite le plus possible de tomber. Après, si elle se foule la cheville et tout ça, à la limite, c'est pas extrêmement grave, mais le coup de déchirer les vêtements, ça c'est autre chose. Ok, donc les cerfs encore ont remigré ici, parce que c'est pas la première fois qu'on les... Il y en a 3. Bon, du coup... Tant mieux. Toi peut-être. On va tenter de le pousser vers la maison et après on le chasse. Enfin quoique, on va peut-être... Je sais pas. On va laisser réchauffer et après peut-être qu'on ressort pour chasser le cerf. Ouais, il est remonté. Ouais, parce que j'ai pas envie de...
de commencer à chasser quand on a froid, parce que si jamais on se loupe, on va pas pouvoir lui courir après. La musique est très forte, c'est moi qui ai mis... C'est peut-être moi qui ai monté trop le son. Mais la musique est très forte. Bon bah c'est bien. On a récupéré un objet quand même qui est rare, donc la corde. Ça va sûrement nous aider plus tard. On a récupéré encore une nouvelle peau. Et on a de la viande, oui, ça aide aussi. Et puis voilà, bon par contre on a perdu quand même pas mal de vie à cause du froid. J'ai pas vraiment envie de trop en perdre. Je voudrais bien qu'on soit à 100%. Enfin dans les 80%. Voilà, très bien. Très très bien. Est-ce qu'elle est fatiguée? Elle est fatiguée, mais bon, c'est la journée encore. Donc une peau de cerf en plus. Voilà, on va les laisser. 1, 2 et 3 là-bas. Le loup, c'est presque sec, c'est presque sec. Ça, elle est à 12%. Ça, c'est sec. Ouh là là, 70%, putain, qu'est-ce que c'est long. Qu'est-ce que c'est long. Du coup, parce que je suis en train de réfléchir à ce qu'on va faire. On va virer 1 litre. Alors, on a un livre en trop, on va le déposer. Comme ça c'est fait. On a la corde aussi, on va le déposer. Donc le livre... on va le mettre là. La corde, on va la mettre... je sais pas, là. La corde, on l'a mis avec le sac de couchage. Ok, parfait. Parfait, je suis content. Je suis content. Un truc qu'on voulait faire aussi, je crois, c'est récupérer du tissu. Si je suis en train de... Si je me trompe pas, on en a que 6. Je crois qu'on en a 5 de réserve. Oui, 5 ou 14, oui, c'est pareil. Mais bon, il faudrait pouvoir aussi en récupérer. Et ça, pour l'instant, je sais pas où. On va peut-être retourner sur le lac mystère et aller voir les maisons vite fait pour... pour récupérer du tissu, sinon je sais pas trop quoi. Qu'est-ce qu'on fait? On dort. Le problème c'est que si on dort maintenant, on va encore se retrouver à être debout la nuit. C'est un peu relou. Elle est fatiguée en plus. Enfin, elle est fatiguée et elle a pas de vie et tout. Oh la vache. Et elle a froid. Allez, on va dormir. Ah, ça m'embête tout ça. Ça m'embête. On va recycler ça. On va dormir 5 heures et on va sortir. Là, on a 2 gros steaks. Eh ouais, parce que maintenant on est quoi, 20%? De calories en plus. C'est pas mal, hein. Ça fait la différence maintenant. Ça fait une différence. Hein. Bon, le sauteur, pourquoi pas. Comme ça, on récupère le plus de vie possible. Et là, il va faire nuit. Presque. Alors on y va. Ah bah ben là en pleine forme, ça va. Quoi? Can you eat trees? Cause I'm gonna eat a tree. Pourquoi t'as... Pourquoi elle a arrêté de boire de l'eau? J'ai appuyé sur rien du tout. C'était bizarre. Bon bref.
Ok, fais pas trop froid, c'est bon. Allez, on se casse. Ok, donc le... Est-ce que notre igloo est encore... Oui, il doit être encore là. Le but va être de repartir... Ou alors on pêche. Mais je crois qu'il fait pas assez chaud pour la pêche. On va voir. Mais je crois qu'il fait pas assez chaud. Enfin, il faudrait faire du feu. C'est chiant. C'est un peu chiant. Ok, serre là. On est à quoi? 6. Ouais, non, ça vaut pas le coup. Ou alors on chasse le cerf. On n'a qu'à faire le cerf. Je crois qu'on a encore du bois sur nous, donc... À la limite, on n'a qu'à faire le cerf. On récupère le... la viande et la peau. Qu'il aille un peu vers le côté, comme ça on se... Ouais, bon, bah reste là. D'accord. Bouge pas, c'est bien. Merde. Ok, bien. Toi qu'il a vu la flèche voler, il a rien dit. Ok, par contre, on va pas pouvoir rester très longtemps. Moins 9, ouais, faut faire un feu, sinon il va faire trop froid. Sinon il va faire trop froid. J'avoue que là on utilise un peu, j'aime pas trop faire comme ça des plusieurs feux, parce que si vous regardez dans les épisodes... Putain, dépêche. Dans les épisodes, je fais... Je fais quoi, un feu par épisode? Enfin, pas par épisode, mais si j'en fais, c'est un. Très rarement que j'en fasse deux, trois. Je préfère... Putain, t'es sérieux? 75%. Hein. J'aime pas trop, voilà, faire autant de feux d'un coup. Mais oui, là, c'est pour une bonne cause. Là, c'est pour une bonne cause. Et ça nous fera de la nourriture aussi. Voilà, très bien. On va d'abord prendre ça là au couteau, comme ça. On va pouvoir directement déposer. J'arrête pas de la couper quand je fais des actions, c'est marrant. 45 minutes. Ok, ça m'a fait peur. Y'a pas des plumes? D'accord, merci. Merci, hein, merci. 45 minutes. Voilà, on a 2 heures. On va récupérer la peau à la main. On entend déjà les loups. Sept minutes. On va le faire au couteau pour aller plus vite. Comme ça, on aura... On peut intervertir les steaks direct. Ok, on va manger. Attendez, combien on a de... On a 3 steaks? Pourquoi on a 3 steaks? Ah oui, on en avait 2 et on en a pas mangé. On n'a pas mangé le deuxième. Pardon, j'ai la gorge qui est un peu enrouée. Toujours pas de plumes, c'est cool, c'est plaisir.
40 minutes, on va prendre le la main. Très bien. Encore 40 minutes, il reste encore une heure de feu. Personne à l'horizon. On a un beau temps, ça va. Bon, ça se passe bien. What? I wonder if I can drop any of this gear. Okay. Ok. On va avoir un problème. Il n'y en a pas d'autre. Voilà, ça t'apprendra, connard. Prendre 2 minutes. Si on découpe. Ouais, si on découpe, c'est 1 heure. Je récupère mes torches. Voilà. 28 minutes. Qu'est-ce qu'on peut faire? 1 heure de feu. On pourrait déplacer. 28. On pourrait déplacer le. Le feu. Voilà, on se casse. Ah, après dans 2 minutes, quel con. Oh, le con. J'ai pris tôt, trop tôt. Qu'est-ce que... On a quoi, là? On a les boyaux. On a la torche volée. On pourrait déplacer... Ouais, on va déplacer le feu. On va le mettre à côté de l'ours... du loup. Et oui. J'ai un peu peur, là. Bon, on a encore du bois, hein. Ça et ça. On n'a pas beaucoup de bois. On n'a vraiment pas grand chose en fait. Ok, 75%. Je suis pas méga fan, je suis pas rassuré en fait de ce qu'on est en train de faire là. Je suis pas méga rassuré. Come on, little fire. Y'a rien qui bouge, ça va. Oh yeah, that's a good one. Ok. Ça va. On va détruire ça. Ça va, on peut aussi, le fait d'avoir fait un feu à côté de la carcasse aussi, ça va la dégeler.
ça va aussi la dégeler, ce qui est bien. Récupérer la peau en 30 minutes maintenant. Ok, cool. Restons tranquilles, restons concentrés. Minutes, on a dit. Comme ça, c'est pas perdu. Ok, faut se casser. Ok, on se casse. On a tout pris, on a pris la viande, on a pris les peaux, il reste encore des boyaux. Il n'y a rien qui bouge là, on est d'accord. Okay, bon. On a encore des boyaux à récupérer si on veut. Pour des petits bois. On a fait beaucoup de feu. Ça marche bien le fait de le déplacer. Hein. Et genre de récupérer les torches. Récupérer les torches, ça va enlever, je sais pas, entre 5 et 10 minutes, je crois. C'est quoi ça devant? C'est un caillou ou un loup? Non, c'est un caillou. Ça va enlever 5-10 minutes du feu et ça va le réduire aussi d'un degré, je crois bien. Si je dis pas de bêtises. Et du coup, vous avez une torche, mais vous pouvez après détruire la torche. Et en faire un bout de bois. Donc du coup vous transférez un peu. Bon, c'est pas transfert à 100% hein, Mais ça passe comme transfert. Quand vous avez un petit feu comme ça à faire qui fait pas extrêmement froid, c'est très bien. Donc ça et ça en plus. Donc je crois qu'on a 4 pots de serre. Je crois qu'on a assez. Je crois que c'est bon. On va pouvoir faire le pantalon. Ouh, on va pouvoir faire le pantalon. Et on a fait cuire tout ça. On a des steaks à 960. Putain. On a des steaks à 960. C'est énorme. C'est bien. Ça, c'est bien. Et là, on a encore les steaks à 1000. Et après, on a aussi les... viande de loup. Honnêtement, là, on est tranquille avec la viande normale. Donc c'est cool. On va en manger. On va faire attention. Je crois que le prochain épisode, je sais pas ce qu'on va faire. On va encore un peu avancer là, mais. Je crois que les prochains épisodes, on va faire un peu plus attention à notre vie surtout. Elle est pas méga fatiguée, on va faire ça. On va faire un peu attention à notre vie et possiblement, je vais commencer peut-être à crafter et je vais couper des morceaux de vidéos. Parce que les crafts qui sont à 30 heures, 50, 5, 30 ou 50 heures, bon... C'est pas méga intéressant. Surtout que je pense qu'on va avoir un problème avec le mal de l'enfermement. Et du coup, on va devoir faire... passer un moment dehors, revenir crafter à l'intérieur, passer un moment dehors, etc., etc. Et ça va être relou. Honnêtement, ça va être relou. Donc, voilà. Elle doit être en pleine forme. Elle est en pleine forme. Ah, il fait bien toujours, on va pouvoir faire une flèche. On va faire une flèche. Je
voit que dalle, mais on va faire une flèche. Ah, je distingue un peu l'établi. Non. Je fais le tiroir. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Oh non. Oh non, elle est tombée malade. Oh putain. Qu'est-ce que j'ai pris? Elle est tombée malade. Oh mon dieu, non. Oh putain. Vous avez mangé du gibier infecté qui vous a donné les parasites intestinaux. Pour vous remettre, il vous faudra plusieurs traitements par jour. Vous continuerez à vous affaiblir jusqu'au terme du traitement. Une dose par jour. 20 jours. On va devoir prendre 20 doses. Oh putain, c'est une catastrophe ce truc. On a déjà eu la dernière saison. Juste quand on récupère plein de gibier. Ça c'est énorme, parce que c'est juste quand on récupère plein de gibier, j'avais l'intention de plus en manger. Pour éviter ça. Bon, Tedraichi. Voilà, ça nous fait une dose, c'est bon. Et elle va se fatiguer beaucoup plus vite. Ça aussi, c'est un problème. Mais le bon côté des choses, c'est que on va pouvoir... on peut la faire, cette putain de flèche. Non, l'établi. On va pouvoir manger toute la viande d'ours. Donc du coup, c'est ce qu'on va faire. On va pas se gêner. On va manger toute la viande d'ours. Ah, il fait pas encore jour. Ah, putain de merde. Donc, alors, ce qui va se passer, c'est qu'elle va... Elle perd énormément d'HP, en fait, assez vite. On devrait peut-être même le voir, là. Je vais pas bouger la souris, on va le voir, sûrement. Et elle va se fatiguer extrêmement vite. Vous voyez que déjà, regardez la vitesse. Vous voyez la vitesse où elle se fatigue. C'est méga, méga vite. Et ça va être de pire en pire, en fait. Donc, pendant 20 jours, on est dans la merde. Oh, on est dans la merde pendant 20 jours. C'est 20 jours, c'est pas 10 jours, c'est 20 jours. C'est abusé. Ah, je suis dégoûté. On va s'en sortir, ne vous inquiétez pas. On a pris une dose là. On va regarder combien on a de doses. Alors, hop. Alors, c'est 20 jours. On a déjà 19, il en manque. Donc, on a 3. Attendez, que je compte bien. 3, 6, 9. Merde, combien on en a? Je crois qu'on a assez. Oui, je crois qu'on a assez. Puis après, il y a les antibiotiques. Et on a aussi des antibiotiques... dans les bungalows près du barrage. Je pense qu'on va aller récupérer les antibiotiques du barrage. Je pense qu'on va aller faire ça. C'est bon, on peut faire la flèche. Ok. Je crois qu'on va aller faire ça. Même maintenant, on va le faire maintenant. Ouais. On va faire aller-retour. Il fait froid, il fait froid. Et du coup, on peut faire ça. Maintenant. Si je fais pas de conneries. Viande cuite. Très bien. Voilà. Ah. Ya, 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 ya. Cool, hein. C'est le bon côté des choses, c'est qu'on peut manger de la viande de loup et tout ça. Et de... Donc on a tout ça. On peut se goinfrer en fait. On peut grave se goinfrer, c'est abusé. C'est abusé. Fait un peu froid. Ça fait loin, hein, mais bon.
ça fait loin, mais... Le mieux, c'est quoi? C'est de garder les antibiotiques de côté. Alors, le coût des antibiotiques, pourquoi c'est pas mal? Bon, il en faut deux à chaque fois, aussi. C'est pas mal, c'est parce que... Bah déjà, ça, le poids, c'est très léger. Et bah c'est tout. C'est juste parce que c'est très léger, en fait. Après, le thé et tout ça, on peut en trouver quand même assez facilement. On va récupérer les plumes. Ou pas. Ok, cool. Ça fait plaisir. Ah, j'y crois pas qu'on soit tombé malade, quoi. C'est la deuxième fois que ça m'arrive avec 1%. Enfin, deuxième fois. À chaque fois, on tente quand même. Hein. Je veux pas dire, mais à chaque fois, on le fait, ça. Mais bon, c'est pas très grave. On a, comme j'ai dit, on a les ressources. C'est quelque chose que vous pouvez faire si vous avez les ressources. Car dans un sens, ça rend les choses un peu, on va dire, simples pour la nourriture. Car là, on va se goinfrer. Et ce qu'on va faire aussi, si on survit, c'est que on va essayer d'avoir le... pendant 3 jours, là, on va essayer d'avoir le bonus. En théorie, on devrait avoir le bonus facilement et pouvoir le garder. Car on va faire que se goinfrer avec ce qu'on a. On va compter. On a quoi encore? 15, entre 10 et 15 viandes d'ours, je crois. Je crois bien. Qui sont à chaque fois à 1000 calories. Puis après, il y a des loups partout. Donc on va pouvoir continuer à les chasser. Donc bon. Ça va quoi. On va récupérer les antibiotiques, puis après on va dormir. On va dormir là-bas, puis après on fait l'inverse et on retourne à la maison. Et ouais. Du coup, je vais être honnête, ça met sûrement une petite pause sur l'exploration, le fait d'être malade. Parce que ça reste assez dangereux. Pourquoi ça reste dangereux? C'est parce qu'elle se fatigue, en fait. Se fatigue très vite. Ça, c'est le problème. Mais je pensais que c'était 10 jours, hein. Je pensais pas que c'était 20 jours. Je vais être honnête avec ça. Alors, à moins qu'il l'ait changé, mais... Eh ouais, elle a mal. À moins qu'ils aient changé la maladie un peu, le comportement de la maladie. C'est vrai que j'ai pas l'impression qu'elle se fatigue trop vite non plus. Enfin, elle se fatigue plus vite que la normale, mais c'était pire avant. Alors, je crois que ça empire de toute façon. C'est peut-être pour ça, en fait. Bon, on arrive là. Très bien. Alors... Ah, c'était là. Yes. Parfait. Non, non, non.
parfait. On va dormir. Je vais voir si elle prend, si elle récupère de la vie ou pas. On est quasiment... On est au talon. On est au talon, ok. Je pense qu'on va récupérer un peu de vie, mais pas beaucoup. Ouais, ça va, c'est pas beaucoup. Pas énorme. Et oui, ah oui, c'est vrai aussi, il y a le... sa vie maximum va baisser. Va baisser. Je crois qu'on va arriver presque à la moitié de sa barre. Et son endurance maximale aussi. Oh la vache, ça va être une catastrophe. Oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai fait? On est dans la merde. Trop honnêtement, ça va être relou quand même. Mais bon, c'est comme ça. Est-ce qu'on avait dessiné cet endroit? Bon, on a même pas dessiné le barrage. Il fait pas trop froid. On va regarder si on n'a pas des champignons en plus à récupérer. Si on retournait sur nos pas, voir ce qu'il y a. Par contre, il fait un peu froid, c'est chiant. Juste comme ça, par curiosité. Parce que je sais qu'on avait des bois et des conneries à récupérer. Enfin, on avait vu. Donc, bon, par contre, on va faire vite demi-tour, je sens, parce que... Parce qu'il fait froid. Je sens qu'on va vite faire demi-tour. Là, t'as la chute d'eau à gauche. Et nous, on était passé par le chemin de droite. On avait trouvé des choses. Il y avait un cerf et tout. Ça c'est bien. Ouais, elle a froid. Oh, m'a fait peur, sincère. Serre. Il y avait un bois à récupérer. Mais je crois qu'il est plus loin. Ça, c'est le cadavre. Ouais, on va rentrer. Elle a froid déjà. Je vais garder le plus de vie possible. On récupère les plumes. Oh, ça. Très bien. Ouais, si il faisait pas aussi froid... Ouh la vache. Cool. S'il faisait pas aussi froid... je serais parti aller récupérer. Je suis sûr qu'il y avait un bois à couper. Quand on était venu il y a très longtemps. Mais bon. C'est pas grave. Mais bon. Maintenant on a une excuse pour se mettre full vie aussi. Enfin, vu qu'on va toujours avoir des calories. Oh, mais c'est là! Je suis passé à côté sans les voir, c'est sérieux? Parfait. Ah oui, je suis passé à côté, il y a mes traces de pas. Ok, c'est bien. C'est bien. Il faudrait qu'on aille là-bas voir ce qu'il y a. Euh,
Après, pour le max de vie et d'endurance et tout ça, je suis en train de me demander, est-ce que... Parce que c'est en fait, c'est apparu quand on dormait. Donc, est-ce que ça apparaît petit à petit? Ou alors, ça apparaît de plus en plus quand on dort? Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une très bonne question. Bon, on a récupéré du bois en plus, c'est cool. Oh, un truc qu'on va pouvoir faire aussi, c'est les livres. On va pouvoir lire les livres. On va pouvoir faire plein de choses, quand on sera toujours avec plein de calories. Voilà. Donc. On va se réchauffer en lisant. Vous n'êtes pas... Oh non! Oh non! J'ai cru qu'on pouvait. Ah, c'est... Attends, c'est parce qu'il y a le risque d'hypothermie ou c'est parce qu'on est... infesté par les parasites? Ah ah! Question. On va voir. Si on peut lire... Ah merde, on peut pas. Ah putain! Ah, j'y ai cru, hein. J'y ai cru pendant une minute. Donc non, on va pas pouvoir avancer. Ah, ça aurait été trop bien! Ça aurait... Ouais, ça aurait été trop trop bien. C'est parce que là, on aurait fait un bon... On aurait lu tous les livres, en fait, qu'on avait. Et du coup... Du coup, ça nous aurait aidé à progresser. Vu qu'on est là, j'ai envie de scier des trucs pour récupérer un peu de du métal. Mais il va faire nuit, donc elle va pas vouloir le faire, je crois. Je crois que pour scier, il faut que ça soit le jour. On va voir. Non, ça va. Ouais, non, ça va, c'est bon. Ok. On va rentrer. Ah, j'ai vraiment cru le coup du... Allez, prends. Ah, c'est froid encore. Oh là là. Quoi, ça, des cerfs? Eh, on a encore le vent, pile de vent, c'est cool. Super. Oh putain, il m'a fait... Il m'a fait peur parce qu'il me fonçait dessus, ce con. Pendant une seconde, je me suis dit, merde, putain, c'était un élan et pas un cerf. Mais non, sinon il aurait gueulé et tout. Un peu trop en stress. Tout petit peu trop en stress. Bon, on va rentrer chez nous. Paquet de loup. On a des appâts. Oui. Oh, super. Il y en a un autre là-bas. Eh merde. Enfin, je crois. Oui, il y en a un autre. Un, ça va, mais deux, ça va être un problème. À moins qu'on passe par le dessus.
De là. On n'a pas vu lui. L'autre il est un peu lent, ça va. Ok, on est bon. Plein de morceaux de bois. Ok, ok, ok. Comme il est rapide. Non, ça va. On devrait être bon. J'ai envie de lui donner la part. Ah ouais, on lui donne la part. On lui donne la part parce que... Je suis pas très serein en fait. C'est bon, on est à la maison. Voilà. On va en profiter. On va en profiter à mort. Parce que... Il faut de l'eau par contre. Okay, très bien. Qu'est-ce qu'on a récupéré nous? Ah oui, ça. On a 4 morceaux de métal. Je voudrais bien les ranger aussi. Je vois rien. Établi, tiroir, très bien. Métal. Bon, c'est vrai que le coup du... Ah merde, c'est plein. Ouais, non, c'est bon. C'est vrai, j'avoue que le coup du livre... Si on pouvait lire les livres, ça serait quand même abusé. J'avoue. Je suis d'accord, ça serait quand même un tout petit peu abusé. Parce que bon, on peut déjà faire ça, se goinfrer. C'est déjà pas mal. C'est quand même déjà pas mal de pouvoir se goinfrer comme ça. Par contre, je voulais faire un truc, je sais plus trop quoi. Ah oui, passer un peu de temps. Passer un peu de temps, très bien. On peut faire une torche. Ah oui, c'est vrai qu'on avait récupéré du carburant. On peut faire une torche à 100%. Je crois qu'on en a plus que... Je sais pas, est-ce qu'on fait une torche à 100%? On n'a pas vraiment besoin pour le moment. Non, on va dormir. Je crois. Y a rien d'autre à faire. Ah, aiguiser! Oui, on va aiguiser. On va aiguiser les choses. Comme ça, on utilisera la pierre, on la jettera. Mais voilà. Donc du coup, je sais pas trop comment ça va se passer, parce que là ça va être un peu chiant, il va falloir se soigner et tout ça. Soigner, passer du temps, etc. etc. Et on peut réparer dans la nuit ou pas? Il faudrait un métal. Et on va aller voir si je peux réparer le truc dans la nuit. Et du coup, ça m'embête un peu.
Parce que ça va, ça risque d'être honnêtement pas intéressant à regarder. Déjà à jouer, ça va être relou. Mais c'est possible que... Je sais pas si elle va vouloir dans moi. Ah oui, il faut la boîte. Ah, on peut pas. On va la garder par contre. Je sais pas si ça va être intéressant à regarder parce que du coup on risque de pas faire grand chose. À part se soigner et passer les jours. Là il faut reprendre une dose. Je crois qu'on va dormir et après on prendra une dose après. Et du coup le truc c'est que aussi on va devoir crafter donc nos vêtements. Et les vêtements aussi ça va prendre des heures et des heures. Donc bon. Ça va pas être palpitant quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on va voir comment on avance. À la prochaine, ciao ciao.